Aïe. Le message qui était là dans ma bouche là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous jalousent jusqu'à même aux enfants de vos cousines? Vous me suivez? Parce qu'en fait, tous les pronostics étaient contre toi. Tu n'étais pas censé. Tu n'étais pas censé. Te voilà. C'est pas te voilà en beng. Le pire, c'est que ces gens sont en beng depuis 10-15 ans. Tout pour eux, c'était seulement que on ne veut pas que Élisée arrive en beng. Parce que ces gens-là savent qu'avec ton étoile là, tu arrives là-bas. 5 ans qu'ils ont mis là-bas. En 5 ans, tu vas acheter même 3 maisons. Je prophétise 3 maisons sur toi à ta 5e année là-bas en beng, au nom de Jésus. Ils savaient. Bonsoir, Nad Love de Port-Gentil. Je suis restée, je vois, c'était un membre de ma famille que je n'ai pas encore enlevé sur mes statuts. À part ceux qui se cachent avec les faux profils pour me regarder. Et aujourd'hui, je vois. Je reste en ça, le Seigneur me dit, regarde ta vie. Regarde. Regarde ta vie. Parce que parfois dans les familles, il y a les clans. Et parfois, les choisis. Pour eux, donc, c'est un peu comme si tu es seul. Il y a les gens, ils sont 5 personnes là-bas, 4 personnes dans le clan, 8 là-bas. Toi, tu es seul dans ton clan, parce que même ton père et ta mère ne te supportent pas. Ils ne sont pas dans ton clan. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tu es une place. Maintenant, quand tu accouches tes enfants, maintenant, c'est toi et tes enfants. Mais tu es une place. Maintenant, tu commences à comprendre que depuis le départ, c'est comme si, en fait, eux, ils savaient qui je suis. Moi, je ne savais pas qui je suis. Et c'est pas si vous voyez un peu le contraste. Attendez, je vais quitter sur l'oreiller ici là. Je vais changer l'angle de mon couchement. Il y a les saisons où j'aime me coucher que par en bas là-bas. Ah! Make me sweat. La connexion pour parler n'est pas sur le bas là-bas aujourd'hui. Maman, je fais le direct. Il fait le direct à minuit. Voilà. Et non. Là où tu es, il faut que tu vois l'histoire dans ta tête correctement. Sinon, les gens là vont toujours t'influencer. Là où tu es là, tu es seul dans ton film. Deuxièmement, tu commences à comprendre que les gens là,
Ils ne t'ont pas seulement détesté dans leur cœur. Certains sont allés faire des sacrifices. Et ils m'ont dit de te dire qu'ils vont te révéler ça dans les rêves les prochains jours. Tu verras concrètement ce que certaines personnes sont allées faire contre toi. And this is no joke. Ça, c'est pas de la blague. Tu verras concrètement. Oui. Ta mère était simpleton, non? Ton père était simpleton, non? Tes oncles et tantes n'étaient pas simpletons. Comme ça qu'on allait sucer tes chances. Je parle toujours quand c'est le film. C'est qu'on vient vous montrer dans le rêve que vous dites que yeah, 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 c'est la vérité. En tout cas, il vous aurait dit. On va venir dans le rêve, on va te montrer. Voilà. Tu vas voir comment ils ont fait les trucs. Une dame me donne le témoignage une fois. Qu'elle a grandi. Il y avait une tante là. Elle n'a jamais particulièrement aimé sa tante parce qu'elle savait que sa tante ne l'aime pas vraiment. Et à l'école, elle était plus intelligente que les enfants de sa tante. Que ses cousins. Et sa tante l'appréciait trop. Dans la présence de son père, sa tante faisait toujours genre... Mais dès que son père passe, sa tante devient méchante. Tu vois, quand tu as encore une petite fille, 18, 19, 25 ans, à un moment, sa tante, mesdames, manipule sa cousine pour que cette cousine-là vienne maintenant parler avec elle pour piocher les choses dans sa vie. Comme ça qu'elle arrive en Europe, elle fait 10 ans avant d'avoir les papiers. Et ses cousines arrivent en Europe 3, 4 ans, bam, elles ont les papiers. Un jour, elle découvre une énième fois que ses cousines, c'était elle qui disait toutes ces choses à sa tante. Comme ça qu'elle a coupé les ponts avec tous les enfants de cette femme-là. Elle fait donc des années en Europe. Quand elle revient se marier au pays, c'est sa tante-là qui gardait donc le lieu sacré dans leur famille. C'est elle qui était successeur de la grand-mère. Donc, il fallait donc que cette tante-là lui donne des bénédictions. Elle arrive pour faire ses rites et avoir sa bénédiction pour son mariage. La tante ne lui dit pas comment on fait. Elle laisse, elle voit comment elle fait mal, elle ne lui dit pas. Elle part à son mariage qui était venu faire là. 5 mois plus tard, le mariage se gâte. Elle erre encore, elle tourne. Elle fait encore peut-être 8 ans qu'elle réussit à se marier à nouveau. Qu'elle revient encore pour faire les bénédictions de ce mariage-là. Dieu expose cette tante. Elle-même, elle ouvre sa bouche. Elle dit que ça fait 8 ans quand tu es venu ici. Moi, je ne vous ai pas montré comment on fait. J'ai vu comment tu étais en train de faire, c'était faux. Moi, il riait seulement. Elle dit que quand elle est quittée du village-là, elle dit que plus jamais. Moi, t'as de ça la parole, c'est fini. Oh, ma fille. C'est ça que tu es ma fille, chérie. Non? Tu es ma préférée. Tu es ma préférée. Ma préférée. Tu sais que tu es toujours aimée, non? Tu t'es toujours aimée depuis que tu es petite. Est-ce que vous me suivez? Vous devez commenter au. Oh. Comme vous n'aimez pas commenter, vous voulez qu'il bavarde là. Vous aimez qu'il bavarde, non? Je veux bavarder. Facebook avec votre paresse.
Quelqu'un se met à minuit, il fait la vidéo. Vous allez vous regarder, vous allez laver vos grosses têtes. Ne supportez pas mes vidéos. Quand vous allez faire quelque chose, vous allez faire pour vous. Quand vous ferez pour vous, on va pas supporter. Laissez-moi, il me dérange. Voilà, j'ai fini de mettre du crédit. Je suis pas là pour vous dire interprétez vos rêves, pardon. Merci. Alan, merci. Il y a des gens dans votre famille. Hein. En fait, tu as une énergie qui rend les gens tellement jalouses que. Et jaloux, pardon. Si bien que tu peux avoir même tes neveux qui sont jaloux de toi. Tu vois, normalement, on se dit que mais mon neveu, on a quoi à se discuter? Tu es mon neveu? Tu es mon neveu? Que mes mi souhaite, c'est mes mi souhaite avec T à la fin. Ya. Dieu m'a dit de te dire que tu n'as pas mal vu. Tu n'as pas mal vu. Alan, mon numéro est sur la page. Le jour où vous pensez que je peux aider, vous nous contactez. Je ne sais pas qu'on lance le cancer sur les gens. Celui qui était trop belle quand elle était petite. Les gens, mon frère, les gens ont les stratégies pour tuer les gens ici dehors. Dans la saison où tu es ici, tu vas voir, on va te montrer un rêve. Tu vas voir le visage de tes oppresseurs. La connexion d'aujourd'hui là. Hein. Répondez-moi pour le serpent. Je suis pas là pour te répondre, Céline. Tu me connais même. Tu me connais même. Je me mets ici et dis ce qu'elle veut dire. Il ne te dit pas ce que tu veux qu'elle te dise. Il dit ce qu'elle veut dire. Si tu as une question, tu peux mettre le. Va prendre la consultation. Bonsoir, monsieur Franchin. Merci pour ton cadeau. J'ai ouvert ça aujourd'hui. Aïcha, merci pour le compliment. Je ne sais pas pourquoi tu dis ma fille. Toutes les personnes qui m'ont appelé ma mère dans le passé m'ont tout. L'autre jour, je suis parti à la plage à Libreville pour acheter le poisson. J'ai vu des mamans escrocs comme ça là. Une me dit, oh ma fille. Je lui ai dit que ne m'appelle pas ma fille. Donc, call me ma fille. Et à la fin, ces femmes-là ont voulu m'escroquer. Donc, quand quelqu'un me dit ma fille là. Je suis allergique au mot ma fille. Dans la phase où tu es maintenant, dans le mois de novembre aussi, tu vas beaucoup voir le vrai visage de certaines personnes. Soit on va te montrer dans le rêve. Soit la personne va venir elle-même t'avouer. Comme un blé-blague. Tu sais, moi, j'ai toujours juré que si tu n'es pas avec moi, tu ne vas jamais te marier avec quelqu'un. Hein? Comme ça, hein? Pour rien. Donc, préparez-vous. Oui. Combien de personnes, le mois d'octobre, combien de personnes ont fait le témoignage? Oh, je fais le kiff fondation. Ma famille, ma tante m'a appelé, elle m'a parlé des liens familiaux qu'il y avait. Oui, que ça c'est depuis notre grand-mère qu'on est bloqué. Des choses que depuis que tu es vivant là, depuis que tu es né, on t'a jamais dit.
Tu as 47 ans aujourd'hui. C'est à 47 ans que tu découvres qu'il y a des malédictions qui étaient sur ta grand-mère. Tu vas voir leur visage. Maintenant, tu dois comprendre que tu es dans un train que personne ne peut arrêter. Tant que le train dans lequel tu es n'atteint pas sa destination ou son prochain arrêt, Monsieur Alan, je ne suis pas là pour interpréter les rêves des gens. Donc, si tu es là, tu vas avoir des rêves farfelus. Je vous en prie, excusez ma vie. Ok? Voilà. La force des gens-là qu'ils avaient exercé pour te ralentir depuis ta naissance, ça ne peut plus rien contre toi. Ton visa que tu as demandé, ça va sûrement sortir. Et tu vas sûrement voyager. Et tu vas sûrement arriver à bon port. Et tu vas sûrement te marier. Et tu vas très sûrement enfanter. Tu me suis écrit si je reçois. Et puis déjà que tu commences, quelqu'un vient, il toque la porte se casse. Après, on dit que tu es venu toquer porte, tu es parti où? Il dit, j'arrive. Il part, il ne revient plus pour faire la dot. Désormais, la porte ne va plus se casser dans ta vie. Plus de fausses couches. On va plus t'embaucher, après on va te renvoyer. Kevin, tu ne sais pas encore quelle bénédiction t'attend. Tu as en train de mettre des fondations qui vont faire que dans quelques mois, maximum années, tu seras tellement à l'aise financièrement. Personne ne pourra te toucher. Et quand le Seigneur me montrait, il me dit, tu crois que tu as déjà fait beaucoup quelque chose? Tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as même pas encore commencé. Tu es là, tu es encore au sous-sol, on est jaloux de toi. Quand tu seras au niveau 25, ils vont faire comment? 25e étage, 114e étage. Ils vont dire que quoi? Hein? Linda, vos gens vont se dévoiler. Ils vont boire l'eau. Tu vas plus commencer un projet, ça s'arrête en route. Tout ce que tu mets ta main, tu dis que je fais ça. En fait, on tremble même. Parce qu'on connaît ta force de frappe. On connaît ta force de frappe. Que quand Jocelyne se met dans quelque chose, on fumide. Elle va te donner. Igo waka. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Maintenant, si tu es là, tu veux faire la gentille petite fille, c'est ton problème, hein. C'est ton problème. Déjà que tu as atteint un niveau où tu ne peux plus passer inaperçu. Je vois une personne que depuis quelques jours, l'esprit te parle du syndrome de l'imposteur. Tu fais tout pour te dénigrer. Tu fais tout. Tu ne connais même pas l'impact que tu as sur les gens.
Tu te caches. Tu te caches. Alors qu'on chuchote ton nom dans la famille, on a peur de toi. Elle a dit qu'elle devait partir au Canada, elle est partie. Maintenant, comme elle veut que son mari vienne là, il va venir. Mais après, maintenant, elle va faire ses enfants vont venir. Ah! Mais Marabout, c'est comment? Tu nous avais donné le tout là que si on lui donne, qu'elle arrive là-bas, elle dépose, ça va, son visa ne va pas marcher, non? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut plus t'arrêter. On ne peut plus t'arrêter. On ne peut plus t'arrêter. Ils vont être exposés. One by one. J'ai dit quoi? One by one, by one, by one, by one. Tu as tellement changé. Tu étais la petite fille inoffensive qui ne parlait jamais, qui ne se défendait pas quand tu étais petite. Aujourd'hui, il faut qu'il vienne un peu te tenter. Tu vois comme tu déclenches dans la prière là, non? Même dans le rêve, ceux d'entre eux qui te tentent, ils voient, non? Ils lisent leur nom. Et te dis qu'il n'y a que toi qui te simplifiais. Regardez comment ma paume de main démarche. Regardez comment l'argent arrive. Seigneur, I receive money. I receive money, oh. Je dis encore que localise-toi comment. Dieu t'a déjà localisé. Je bénis ton offrande, Vanessa. Vous êtes où en tant que Seigneur, aide-moi. Dieu envoie ta nouvelle, on te dit. Tu dis non, Seigneur, aide-moi. You don't know, girl. Tu ne comprends pas encore. L'argent vient avec la joie. Personne ne me fait plus peur qu'une personne qui s'aime. Quelqu'un qui s'aime. Sache que c'est quelqu'un de dangereux. Dangereux dans le spirituel. Dangereux dans le physique. Parce que tout ce qu'il fait, ça marche. L'esprit me dit de te dire qu'il y a des personnes qui t'observent. Ton argent ne vaut même pas le 1/10 de leur argent. Mais ils t'envient. Ton indépendance mentale. Ta joie. Et tu es en train de rajeunir. J'ai oublié, ça c'était le bonus. Tu es en train de rajeunir. Tu arrêtes d'aimer aussi l'argent, hein? Avant, tu avais l'argent, tu prenais, tu donnais aux gens. Bye, Aïcha, bye, 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 bye. Bye. Tu es en train d'aimer l'argent à un degré que ça ne blague pas. Tu manges calmement ton argent en faisant. Zen. Tu as le téléphone avec les yeux. Ouais, le téléphone avec les yeux. Tu auras même Gonza 4.
Je me suis. Tu es entré dans une dimension où ces personnes vont t'envier. Et parfois, donc dans ta tête, toi, tu regardes, tu dis, ah, parce qu'ils ont vu en toi la semence de quelqu'un qui sera 50 000 fois plus riche que eux-mêmes. Et c'est ce qui les dérange. Continue seulement de marcher, tu vas voir. Bonjour, Franceline. Linda, et sans que toi tu fais le, tu fais le, tu te laves au sel jusqu'à. Ils vont te chercher, ils ne vont pas te voir. Il déclare que cette nuit dans le rêve, on va te donner des couronnes, des diamants, des robes en diamants. Bon, il faut qu'elle dorme. Il devait vous donner votre message. On m'appelle déjà. On a été me bipper déjà. Mes amis me bipent. Vous avez suivi le message de ce soir? Ne panique pas. Ne stresse pas. Ne te compare pas. Ne te compare pas. Ne cherche pas à vouloir faire la justice toi-même. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu t'élever. Tu vas voir. Il va faire des hasards. Tu te retrouves peut-être à un même événement avec ta, avec ton ennemi ou bien la, ta tanticone là. C'est toi qui es l'invité d'honneur, le speaker de l'événement, c'est toi. Voilà la tante qui arrive, elle s'assoit. Elle s'assoit, hein? Après, on dit, bienvenue à notre orateur, voilà, Jocelyne. Elle voit, c'est l'enfant qu'elle a, elle grondait dans l'enfance, elle tapait un des autres. Elle voit les gens se lèvent pour t'accueillir. Bravo, bravo. Tu es dépassé. Tu sors comme le coq Anatole qui a la poitrine bombée. Merci, 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 merci. Oui. Oui. Les gens se lèvent, ils t'acclament. On parle de toi que vraiment cette personne a changé ma vie. Ses produits m'ont aidé. Peu importe ce que tu vends, hein. Tu es en train d'atteindre une dimension où ce sont tes anges qui vont aller faire le travail pour toi. C'est pas toi.